Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Disons, je me livre totalement. Je me livre totalement. Oh, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux utiliser. Je me livre totalement. Il pourrait s'arrêter, il aurait beau s'arrêter. Je me livre totalement. Il querait beau s'arrêter, coller les beaux charabas. Je me livre totalement. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux je me livre totalement. Seigneur, en ce moment, je livre mes mains, je livre mes pieds. Je livre mes lèvres, je livre mon intellect, je livre mes émotions, je livre mon esprit, mon cœur. Seigneur, je livre mes yeux, je livre tout ce que je suis. Et je me livre. Oh. Entre tes mains. Le plus grand amour. Majesty.
Jesus, worthy is your name. We worship your majesty. Awesome God, awesome God, how great thou art. Worship you. Say, awesome God. Oh, how great thou art. You are God. Mighty. Worship you, Lord, and worship you. Disons merveilleux. Et notre Dieu, et notre Dieu, tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Devant toi, Seigneur, nous nous prosternons devant toi. Maintenant, pour tout ce que tu as fait, nous nous prosternons devant toi. Pour tout ce que tu as accompli dans notre vie, au nom de Jésus-Christ, nous nous prosternons devant toi. Pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta puissance, pour ta grâce incommensurable, nous nous prosternons devant toi. Pour la protection que tu nous accordes, nos protections de chaque jour que tu nous accordes, nous sommes prosternés devant toi. Pour tes miséricordes qui ne sont pas à leur terme, pour tes compassions qui se renouvellent chaque matin, nous nous prosternons devant toi. Prosternons notre âme, notre esprit, notre cœur, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que à quoi nous aspirons, nous prosternons. Je me prosterne devant ta puissance, je me prosterne devant ta majesté, je me prosterne devant ta grandeur, je me prosterne devant ton éternité, je me prosterne devant ton omnipotence, ton omniprésence, ton omniscience. Prosterne, que mes enfants se prosternent devant toi, que mon ministère se prosterne devant toi, que mes pensées se prosternent devant toi, que mes émotions se prosternent devant toi, au nom de Jésus de Nazareth. Que mes finances se prosternent devant toi. Que mes rêves,
mes projets, mes aspirations se prosternent devant toi, au nom de Jésus de Nazareth. Pour des acclamations au Seigneur. Au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Eh hey, yes, Lord. Alléluia. Yes, we praise you, Lord. Oui, Seigneur, nous t'élevons. Oui, Seigneur, nous t'exaltons, nous te célébrons. Oh, yes. Oh, yes. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la gloire, la puissance, l'honneur. Oh! Commence à parler du grand secret de la manifestation du Christ. Nous avons vu hier que Jésus-Christ était un homme extraordinaire. Nous avions dit que Jésus-Christ a vécu comme un homme extraordinaire. Il n'était pas un homme ordinaire, mais c'était un homme extraordinaire. Mais ce qui lui avait permis de vivre l'extraordinaire, ce qui lui avait permis de vivre le divin, de vivre le surnaturel, de vivre le Christ, puisque le Christ fait référence à l'onction qui était en lui, la divinité du Saint-Esprit qui habitait son corps. Donc ce qui lui avait permis de vivre l'extraordinaire, c'était la plénitude du Saint-Esprit dans sa vie. Amen. Et
on a vu également hier que le prophète Ésaïe nous a donné un peu plus de détails au sujet de la plénitude de l'Esprit. Les évangélistes ont seulement parlé de la plénitude de l'Esprit. Luc nous a dit que Jésus-Christ est sorti du Jourdain, rempli du Saint-Esprit, mais il nous a pas fourni de détails, d'explications réelles au sujet de la plénitude du Saint-Esprit. C'est le prophète Ésaïe qui, 800 ans avant la naissance de Jésus-Christ, avait vu son apparition, nous a donné vraiment des détails au sujet de la plénitude. Et il nous dit que cette plénitude se manifeste de cette manière, cette opération. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y a un seul esprit, mais plusieurs opérations. Il y a différentes opérations. Donc la plénitude du Saint-Esprit se manifeste dans au moins sept opérations différentes, que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 11, les versets 1 et 2 que nous avons lus hier, qui dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. » Et il a dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Et nous avions vu à pied joint hier comment c'était cet esprit, cette manifestation, cette opération du Saint-Esprit, s'exprimait dans la vie de Jésus-Christ. Cet esprit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, Esprit de force, Esprit de connaissance, Esprit de crainte de l'Éternel. Donc, comme je vous avais promis, aujourd'hui, nous allons commencer avec l'Esprit de l'Éternel. Donc, il y a une raison pourquoi nous avons l'Esprit de l'Éternel en tête de liste. Donc, nous commençons avec l'Esprit de l'Éternel. Et demain matin, comme nous avions dit au premier culte, si Dieu le veut, donc nous parlerons de l'esprit de sagesse et d'intelligence, au second culte de l'esprit de conseil et de force, et au troisième culte de l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et si le temps nous permet, nous aurons également un temps de ministère dans le troisième culte. Donc voilà, on commence tout d'abord, on commence avec l'esprit de l'Éternel. Pour pouvoir comprendre l'Esprit de l'Éternel, je dois vous rappeler des choses que vous connaissez déjà, des choses que vous savez déjà. Mais pour vous mettre dans le contexte, je dois vous expliquer certaines choses au sujet du royaume. Mais je sais que vous avez étudié le royaume en détail. Donc, le royaume constitue le message central de ce ministère. Donc, ce que je vais vous dire, ce ne sont pas des choses que vous ne connaissez pas, ce sont des choses que vous connaissez. Mais juste pour nous mettre dans le bain et pour ceux qui nous visitent dans d'autres églises, d'autres communautés, donc ça vaut la peine de repasser à pieds joints sur des détails importants. Donc, nous allons parler un petit peu du royaume parce que l'esprit du Seigneur, l'esprit de la seigneurie, l'esprit de la domination, c'est cet esprit. C'est cette opération de l'esprit qui concrétise la réalité du royaume dans notre vie. C'est cette onction du Saint-Esprit, c'est cet embranchement du Saint-Esprit, c'est ce courant de l'esprit qui permet que le royaume de Dieu soit une réalité dans notre vie. Donc, juste pour nous mettre dans le contexte, établissons tout d'abord trois vérités fondamentales, trois ou même jusqu'à quatre vérités fondamentale. Premièrement, la première vérité est celle-ci. Dieu nous a créés pour dominer. Disons dominer. Disons encore avec plus de force. Dominer. Dieu nous a créés pour dominer. Dieu a créé l'homme pour dominer. Voilà, à chaque fois que l'homme se trouve dans une situation là où il est dominé, il est esclave, il est subjugué à une force, il se sent frustré. Car il n'a pas été créé pour être dominé, l'homme a été créé pour dominer. Et même Dieu ne s'est pas donné le luxe de dominer sur la vie de l'homme. En réalité, Dieu accorde à l'homme le libre arbitre
Et il lui donne l'opportunité, le choix de vouloir, s'il veut obéir ou désobéir à Dieu. Donc l'homme n'a pas été créé pour être dominé, mais l'homme a été créé pour dominer. Et nous voyons, nous retrouvons ce mandat de domination dans le livre de la Genèse. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, donc un verset que vous connaissez très très bien par cœur peut-être, mais dans Genèse chapitre 1, verset 26, donc la Bible dit, quand Dieu avait fini de créer toutes choses, il décida de créer l'homme, et quand il s'apprêtait à créer l'homme, il a dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur les reptiles qui rampent sur la terre. Et au verset 9 du même, verset 29 du même chapitre, au verset 29 de Genèse chapitre 1er, la Bible dit, il a donné à l'homme les animaux des champs, il a donné à l'homme l'herbe, il a donné à l'homme tout ce qui était là. Donc en réalité, ce que nous retrouvons dans Genèse chapitre 1er, les versets 26 à 29, c'est que quand Dieu a créé l'homme, il lui a accordé trois statuts. Il lui a accordé trois statuts différents et trois statuts importants. Premièrement, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé comme fils. Donc si vous remarquez dans le texte que nous avons lu, la Bible dit que Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En d'autres termes, l'homme porte en lui l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. J'aime les paroles du prophète Ésaïe qui dit, souviens-toi du rocher dont tu as été taillé. Souviens-toi de l'Éternel, le rocher tu as été taillé. Donc cela veut dire, un rocher, si tu prends un morceau de pierre, de roc qui est sorti d'un rocher, tu tailles un morceau de pierre à partir d'un rocher, le roc qui sort de ce rocher a la même nature que le rocher. Si le rocher a du calcium, la pierre qui a été taillée aura du calcium. Si le rocher a du potassium, la pierre qui a été taillée du rocher aura du potassium. Et Dieu dit que nous sommes des pierres qui ont été taillées de l'Éternel des armées. Cela veut dire tout ce qui se trouve en Dieu se trouve en nous également. Que quelqu'un me dise gloire. Donc nous avons été créés comme fils de Dieu, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Conséquemment, nous avons la nature de Dieu en nous. Nous avons l'identité de Dieu en nous. Nous avons l'ADN de Dieu en nous. Donc Dieu a créé l'homme premièrement avec le statut de fils. Il lui a donné le statut de fils pour qu'il puisse porter son identité. Deuxièmement, ce texte nous montre également, non seulement il a créé l'homme comme fils, mais deuxièmement, il a aussi créé l'homme comme roi. Donc dans Genèse chapitre 1, verset 26, il dit, crée l'homme à notre image et à notre ressemblance, et il ajoute qu'il domine. Maintenant, à créer à son image et à sa ressemblance, maintenant ça c'est le fils, c'est la filialité divine. C'est la filialité divine, c'est l'identité divine que nous avons en nous. Mais quand il dit qu'il domine, maintenant c'est la royauté. Donc Dieu a créé l'homme comme roi et il a également créé l'homme, il a créé l'homme comme fils pour qu'il puisse porter son identité. Et il a créé l'homme comme roi pour qu'il puisse exercer sa puissance. Alléluia. Donc Dieu vous a créé pour dominer. Dieu vous a créé pour accomplir de grandes choses. Dieu vous a créé pour que sa puissance puisse se manifester en vous. Et du moment que vous comprenez cette réalité, le mot impossible va sortir de ton vocabulaire. La réalité, quelqu'un qui porte l'identité de Dieu, quelqu'un qui porte la créativité, qui porte la puissance de Dieu, l'omniscience de Dieu, il n'y a rien qui soit impossible. Au tabernacle de gloire, j'ai mon équipe qui travaille avec moi. Quand je leur demande de faire quelque chose, ils me disent que c'est impossible. Je leur dis, si les hommes peuvent envoyer, Monsieur Kennedy a demandé aux scientifiques américains, il leur donne 10 ans pour qu'il envoie un vaisseau spatial dans la Lune. Et j'ai dit,
Je dis à mes collègues, quand il me dit quelque chose est impossible, je dis si les hommes peuvent envoyer un vaisseau spatial dans la lune et retourner, ils n'ont pas Dieu avec eux, il n'y a rien qui soit impossible pour nous. Il n'y a rien que nous ne pouvons pas faire. Il n'y a rien que nous ne pouvons pas accomplir. Si nous pouvons aller dans la lune et retourner sur la terre, et les hommes peuvent le faire sans Dieu, il n'y a rien que nous ne puissions pas faire avec Dieu. Que quelqu'un me dise gloire. Il n'y a rien qui soit impossible. Ça peut prendre un peu plus de temps que nous aurions souhaité. Ça peut prendre un peu plus d'énergie que nous aurions souhaité. Ça peut prendre un peu plus de persévérance que nous aurions souhaité. Mais il n'y a rien qui soit impossible. Avec Dieu, tout est possible. Disons gloire. Il nous a créés comme fils. Il nous a créés comme roi. Troisièmement, et ça c'est important, c'est peut-être choquant pour certains. Mais il nous a également, il nous a donné le statut de fils, il nous a donné le statut de roi, mais troisièmement, il nous a donné le statut de seigneur. Il nous a donné le statut de seigneur. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut bien choquer certains d'entre vous. Mais en réalité, le mot seigneur veut dire quoi exactement? Le mot seigneur signifie propriétaire terrien. Seigneur signifie propriétaire terrien. Cela veut dire, on applique le mot seigneur à des personnes qui avaient de vastes terres et qui pratiquaient l'agriculture. Donc jusqu'à présent, aujourd'hui, quand nous disons par exemple, monsieur, dans le mot monsieur, c'est une contraction du mot seigneur. Monsieur signifie mon seigneur. Monsieur signifie mes seigneurs. Donc ce terme était appliqué au Moyen-Âge à des personnes qui avaient de vastes terres et qui pratiquaient l'agriculture et qui étaient indépendants, etc. Donc ces personnes-là étaient appelées seigneurs. Quand l'Éternel a créé l'homme, la Bible dit non, non seulement il a donné à l'homme son identité, son image et sa ressemblance, deuxièmement il lui a donné le mandat de dominer, mais il a dit également tout ce qu'il y a sur la terre, tous les animaux, et il dit tous les arbres, tout ce que vous avez autour de vous, je vous donne en héritage. Le psaume 115, le verset 16, l'exprime avec plus de précision. Le psaume 115, le verset 16, dit « les cieux appartiennent à l'Éternel des armées, mais il a donné la terre à qui ?» Il a donné la terre à qui ? Il a donné la terre à qui ? Ce qui signifie, si le mot Seigneur signifie propriétaire terrien, et le Seigneur vous a donné la terre, donc pensez-vous, qu'est-ce que pensez? Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes un Seigneur. Vous n'êtes pas un Seigneur avec un S majuscule, vous êtes un Seigneur avec un S minuscule. Et quand la Bible dit que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, il ne parle pas des rois de ce monde et il ne parle pas des seigneurs de ce monde, parce que les rois de ce monde ne connaissent pas Jésus et les seigneurs de ce monde ne connaisse pas Jésus. Quand la Bible dit il est roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, la Bible parle de vous et moi, il parle de tes enfants, il parle des rachetés, il parle des sauvés. Que quelqu'un me dise gloire. Wow. Quand il a créé l'homme, il lui a accordé trois statuts: le statut de roi, le statut de fils, le statut de roi et le statut de seigneur. Cela veut dire propriétaire terrien. Nous en parlerons un peu plus à la fin de ce message. Donc Dieu a créé l'homme pour dominer et pour s'assurer que l'homme ait la domination de le monde. Il lui a donné le statut de fils, de roi et de seigneur. Maintenant, cette domination que Dieu nous avait donnée, la deuxième vérité qu'il faut savoir, c'est que nous avions perdu cette domination en Adam. Nous avions perdu cette domination en Adam. Quand Adam a péché, il a perdu la domination du monde. Parce que la réalité, le plan originel de Dieu, écoutez ceci, le plan originel de Dieu, c'était de gouverner le monde matériel à partir du monde spirituel. Est-ce que ça va, chers amis? Le plan originel de Dieu, c'était de gouverner le monde matériel à partir du monde spirituel. Et jusqu'à présent, c'est encore la réalité.
J'avais dit une fois dans un message, le monde spirituel domine le monde matériel. Celui qui ne comprend pas le monde spirituel ne comprend pas le monde, point barre. Si tu ne comprends pas le monde spirituel, tu ne comprends pas le monde. Daniel, au temps de Daniel, Daniel était en Babylone. Il y avait un roi en Babylone qui s'appelait Nebuchadnezzar. Mais quand Daniel a prié, il y a une principauté dans les lieux célestes qui lui a résisté pendant 21 jours. Et cette principauté était appelée il était en Perse. Il y avait un roi en Perse. Dans le royaume de Perse en ce temps. Et Daniel servait le roi du royaume de Perse. Il a prié pendant 21 jours. Et une principauté l'a résisté dans les lieux célestes. Et cette principauté qui a résisté à Daniel dans les lieux célestes était appelée le prince du royaume de Perse. Cela veut dire, Daniel connaissait le roi de la Perse, celui qui gouvernait la Perse. Il se réunissait avec le roi chaque matin. Il planifiait des réunions avec lui. Il planifiait des conférences de presse avec lui. Il faisait des projets avec lui. Cependant, le vrai prince du royaume de Perse était dans les lieux célestes. Cela veut dire que quand vous voyez les nations sur la terre, quand vous voyez des décisions qui se font sur la terre, quand vous voyez des choses qui se passent à travers la télévision et à travers le monde, vous voyez les politiciens se réunissent, ils prennent des décisions, mais en réalité, ces hommes-là ne sont pas les personnes vraiment qui vraiment prennent des décisions. Ceux qui prennent des décisions sur le monde sont les puissances infernales qui sont derrière les hommes politiques, derrière les grands entrepreneurs, derrière les grands vedettes, derrière les personnes de ce monde que nous ne voyons pas. Mais par derrière ces hommes-là, il y a des puissances infernales qui les utilisent pour diriger le monde. Est-ce que ça va, chers amis? C'est pourquoi j'ai dit une fois, celui qui ne comprend pas le monde spirituel ne comprend pas le monde tout court. Point barre. Si vous ne comprenez pas le monde spirituel, vous ne comprenez pas le monde. Parce que le but originel de Dieu, comme je vous avais dit, c'était de gouverner le monde matériel à travers le monde spirituel. Donc, Dieu, son plan originel, c'est que l'Esprit de Dieu serait lié à l'Esprit d'Adam. Adam, l'Esprit de Dieu, gouvernerait, pour ainsi dire, l'Esprit d'Adam. L'Esprit d'Adam gouvernerait l'âme d'Adam. L'âme d'Adam devait gouverner le corps d'Adam et le corps d'Adam devait gouverner le monde. Est-ce que ça va? La chaîne d'autorité? Ça commence tout d'abord par l'Esprit de Dieu, puis l'Esprit d'Adam, puis l'âme d'Adam, puis le corps d'Adam. Et maintenant, quand Adam ouvre sa bouche et dit quelque chose avec sa bouche, et touche quelque chose avec sa main, et commande quelque chose de se faire au nom de Jésus ou au nom de l'Éternel, quand son corps aurait réagi sous l'ordre de son âme, et son âme aurait réagi sous l'ordre de son esprit. Et son esprit aurait réagi sous l'ordre de l'Esprit de Dieu. Et quand il dirait au nom de Jésus, sors, au nom de Jésus, pars, au nom de Jésus, que ceci croisse, automatiquement la puissance de Dieu coulerait à travers l'esprit d'Adam, l'âme d'Adam, le corps d'Adam et toucherait le monde entier. C'était le plan originel de Dieu. Mais quand Adam a péché, quelque chose est arrivé, quelque chose de tragique est arrivé. L'esprit d'Adam, au lieu d'être lié à l'esprit de Dieu, était devenu maintenant lié à l'esprit du diable. Parce que à travers le péché, à travers la désobéissance, maintenant il avait contact au monde spirituel infernal. Maintenant, Satan maintenant pouvait dominer jusqu'à présent. Satan ne peut pas venir en personne et gouverner le monde. Pourquoi? Parce que le psaume 115, le verset 16 dit, les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel, mais il a donné la terre au fils des hommes. Si tu n'es pas un homme, tu ne peux pas gouverner sur la terre.
Conséquemment, puisque Satan n'est pas un homme, il est un esprit. Il ne peut pas gouverner lui-même dans le monde. Il faut qu'il ait un canal. Il faut qu'il ait un moyen. Il faut qu'il trouve un corps pour qu'il puisse dominer dans le monde. Est-ce que ça va, chers amis? Donc voilà, donc quand l'homme a péché, maintenant il y avait un contact avec le monde des ténèbres. Maintenant, eh bien, Adam était en contact avec le diable lui-même, qui avait accès à son esprit, qui avait accès à son âme, qui avait accès à son corps et qui pouvait avoir accès au monde entier à travers lui. Pasteur Greg, d'où vient cet enseignement? D'où vient cette doctrine? Penses-tu que c'est vraiment biblique? Regardez avec moi Matthieu. Vous allez voir dans la Bible, Matthieu chapitre 3, le verset 2. Matthieu chapitre 3, pas Matthieu, je m'excuse. Luc chapitre 4, le verset 6. Vous allez lire Luc chapitre 4, le verset 6. Regardez avec moi, vous allez voir cela. Luc chapitre 4, le verset 6. Lisons. Vous vous rappelez de la tentation de Jésus-Christ? Quand Satan est venu et il a offert au Seigneur Jésus-Christ tous les royaumes du monde. Et la Bible dit qu'il lui a montré tous les royaumes du monde. Et qu'est-ce qu'il a dit? Lisons ensemble. Il dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, Satan gouverne le monde maintenant. La Bible dit le monde entier est sous la puissance du mal. Mais Satan gouverne le monde maintenant parce que quelqu'un lui avait donné l'autorité. Quelqu'un lui avait donné le royaume. Quelqu'un lui avait donné la puissance. Et remarquez, Jésus-Christ n'a pas dit à Satan que c'était faux. Jésus-Christ n'a pas dit à Satan que c'était incorrect. Il a seulement dit arrière de moi Satan, mais il n'a pas dit que c'était incorrect. Il a dit, je te donnerai les royaumes parce que quelqu'un d'autre m'avait donné le royaume. Quelqu'un d'autre m'avait donné l'autorité dans ce monde. Quelqu'un d'autre m'avait donné la puissance dans ce monde. Quelqu'un d'autre m'avait donné la domination dans ce monde. Et cet homme, c'était Adam. Donc, le royaume donc, que Dieu nous a donné, la domination, Dieu, premièrement, Dieu nous a créé pour dominer. Deuxièmement, nous avions perdu cette domination à travers Adam. Maintenant, troisième vérité qu'il faut savoir pour comprendre l'esprit du Seigneur. Troisième chose, c'est que nous retrouvons la domination perdue en Jésus-Christ. La domination que nous avons perdue en Adam, nous la retrouvons en Jésus-Christ. Voilà pourquoi le message de Jésus-Christ était « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Maintenant, quand le texte dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche », il ne faut pas voir une proximité temporelle. Il ne s'agit pas d'une proximité temporelle, mais d'une proximité spatiale. Qu'est-ce que je veux dire? Quand la Bible dit « Le royaume de Dieu, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche », cela ne veut pas dire que le royaume de Dieu va venir bientôt. Quand il dit, ce n'est pas une question de temps que le royaume est proche, le royaume va venir bientôt. Non. Ce n'est pas une proximité temporelle, c'est une proximité spatiale. En d'autres termes, repentez-vous, car le royaume de Dieu maintenant est en train d'envahir ton espace personnel. Le royaume de Dieu est près de toi. J'aime, l'anglais dit, the kingdom of God is at hand. Le royaume de Dieu est à portée de main. Le royaume de Dieu est près de toi. Le royaume de Dieu est désormais accessible. Le royaume de Dieu est désormais près de vous. Le royaume de Dieu est désormais possible. C'est à portée de main. Ce n'est plus loin de vous, mais c'est près de vous. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Vous pouvez toucher le royaume. Vous pouvez entrer dans le royaume. Vous pouvez marcher dans le royaume. Vous pouvez avoir accès au royaume. Le royaume de Dieu est proche de vous. Le royaume de Dieu est à portée de main. Repent, for the kingdom of God is at hand. Maintenant, quand Jésus-Christ a dit, durant son ministère, il a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est tout près de vous. Le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu est à portée de main. De quoi parlait-il exactement? Il parlait
de la présence du Saint-Esprit qui était en lui. Il parlait. Quand il a dit le royaume s'est approché, le royaume est venu, le royaume est maintenant à portée de main, il parlait du Saint-Esprit qui était en lui. Nous trouvons cela dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, Jésus-Christ enseignait dans une synagogue et on lui a amené un homme qui était sourd et muet. On lui a amené un démoniaque. Et quand on a amené le démoniaque à Jésus, Jésus était indigné. Jésus était indigné. Parce que un démoniaque, c'est quelqu'un qui est dominé par Satan le diable. Quelqu'un qui est dominé par un démon. Quelqu'un qui est dominé par une force infernale. Mais l'homme n'a pas été créé pour être dominé. L'homme a été créé pour dominer. Donc quand Jésus-Christ voit un homme qui n'a plus maintenant le luxe de décider ce qu'il veut, quand Jésus-Christ voit un homme qui a sa volonté captive, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas réaliser ses potentiels. Cet homme, puisqu'il était possédé, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait et il faisait des choses qu'il ne voulait pas. Parce qu'il était captif de quelqu'un d'autre. Il était captif d'une force infernale. Donc il était dominé. L'homme ne pouvait pas réaliser ses potentiels. L'Éternel, Dieu l'avait créé avec une bouche pour parler, mais il ne pouvait pas parler. Dieu lui avait donné des oreilles pour entendre, il ne pouvait pas entendre. Dieu lui avait donné des yeux pour voir, mais il ne pouvait pas voir. L'homme ne pouvait pas réaliser ses potentiels. La possession démoniaque, c'est une atteinte à la dignité humaine. Celui qui devait avoir la domination est maintenant sous la domination. Celui qui devait être maître est devenu maintenant esclave. Donc Jésus-Christ était indigné. Et il dit aux esprits qui liaient cet homme, « Sors !» Et immédiatement, l'homme a retrouvé la liberté. Immédiatement, l'homme était délivré. Immédiatement, l'homme était libéré. Maintenant, l'homme qui ne pouvait pas prendre des décisions de par lui-même, soudainement, il se retrouvait maître de lui-même. Il était encore maître de lui-même. L'homme qui ne pouvait pas parler, maintenant pouvait parler. L'homme qui ne pouvait pas entendre, maintenant pouvait entendre. L'homme qui ne pouvait pas voir, maintenant pouvait voir. Il pouvait réaliser ses potentiels. Est-ce que ça va, chers amis? Quand Jésus-Christ a opéré ce miracle, la foule qui était là, la foule qui regardait, la foule qui a observé tout ça, donc les gens de la foule ont commencé à dire, n'est-ce pas Jésus? La Bible dit toute la foule était dans l'admiration. Et ils ont dit, n'est-ce pas le fils de David? Pourquoi ont-ils lié Jésus-Christ au fils de David? Parce que, encore, David, c'était le fils qui avait été promis. David, fils de David, veut dire le Messie. Fils de David veut dire celui qui a le pouvoir. Fils de David veut dire celui qui a l'autorité. Fils de David veut dire celui qui a la domination. Parce que Dieu avait promis à David, il lui avait dit que ton fils sera assis sur le trône éternellement. Je mettrai la clé de David sur son épaule. Et quand il fermera des portes que personne n'ouvrira. Et il ouvrira des portes que personne ne fermera. En d'autres termes, il sera capable de faire l'impossible parce qu'il aura la clé de David sur son épaule. Donc quand Jésus-Christ a libéré cet homme qui était esclave de Satan, qui était esclave de la cécité, qui était esclave de la mutité, qui était esclave de la surdité. Il ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas entendre. Automatiquement, ils ont dit, cet homme a une puissance extraordinaire. Cet homme a un pouvoir extraordinaire. Il semble que la domination que nous avions perdue en Adam et que Jésus-Christ avait promis de restaurer par le fils de David, ne serait-il pas
pas cet homme, parce que nous avons réalisé, les pharisiens étaient de bons parleurs, mais ils ne pouvaient pas restaurer la vue de cet homme. Les scribes étaient de bons enseignants, mais ils ne pouvaient pas restaurer l'oreille de cet homme, la capacité d'entendre de cet homme. Les sadducéens qui étaient là, eh bien, c'était de bons théologiens, mais ils ne pouvaient pas restaurer les yeux, la vision de cet homme. Ne serait-il pas le fils de David? Et les pharisiens, les pharisiens sont toujours là. Et les pharisiens ont dit, non. Donc, nous ne pouvons pas nier que cet homme a une puissance surnaturelle en lui. Mais les miracles qu'il a accomplis, il ne les a pas accomplis par la puissance de Dieu. Il les a accomplis par Belzébul. Et Jésus, lui, de les répondre, Jésus leur dit, si un royaume divisé contre lui ne peut pas subsister, donc si je chasse Satan par la puissance de Satan, eh bien, le royaume, c'est un royaume divisé. Mais si je chasse, et voilà la phrase centrale, si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors, le royaume. Si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume est venu vers vous. En d'autres termes, quoi? Le royaume, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est le royaume. Là où il y a la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, le royaume se manifeste. Que quelqu'un me dise gloire. Voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 11, les versets 1 et 2, il y a 7 esprits de Dieu. Il y a l'esprit de crainte, il y a l'esprit de connaissance, il y a l'esprit de force, il y a l'esprit de conseil, il y a l'esprit de sagesse, il y a l'esprit d'intelligence. Mais le premier esprit, la première manifestation de l'esprit, la première opération de l'esprit, le premier ministère de l'esprit, c'est l'esprit de l'Éternel, l'esprit du Seigneur, l'esprit de la Seigneurie, l'esprit de la domination, car quand l'Esprit de Dieu vient, il rétablit le royaume de notre vie. Disons gloire. Donc voilà pourquoi en tête de liste, vous avez l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel, c'est synonyme de l'Esprit du Seigneur. Donc par exemple, dans Ésaïe chapitre 61 verset 1 par exemple, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Donc l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de l'Éternel, c'est synonyme de l'Esprit du Seigneur. Donc il y a des versets dans la Bible qui parlent de l'Esprit du Seigneur. Il y en a d'autres qui parlent de l'Esprit de l'Éternel. Mais les deux sont la même chose. Donc l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de la Seigneurie. L'Esprit de la Seigneurie, c'est l'Esprit de la domination. Et quand Jésus-Christ est venu dans le monde et il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche, cela veut dire repentez-vous car l'esprit de domination que vous aviez perdu en Adam est revenu. L'esprit d'autorité que vous aviez perdu en Adam est revenu. L'esprit de puissance que vous aviez perdu en Adam est revenu. Désormais vous avez autorité sur la maladie. Désormais vous avez autorité sur la pauvreté. Désormais vous avez autorité sur les esprits infernaux. Désormais, vous avez autorité sur la démence, la folie, la pauvreté. La domination que vous aviez perdue est maintenant restaurée par le Saint-Esprit de Dieu. Car si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume est venu vers vous. Disons esprit de domination. Donc voilà pourquoi dans la Bible, dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'on voit le terme et l'Esprit de l'Éternel saisit quelqu'un, il s'agissait toujours d'une forme de
domination. Il s'agissait toujours d'une onction de domination. La Bible parle d'un homme qui s'appelait Othniel. Et pendant, donc, vous pouvez lire à la maison, je vous donne les références, mais dans Juges chapitre 3, la Bible parle d'un homme qui s'appelait Othniel. Et les enfants d'Israël se trouvaient en captivité sous l'autorité de Babylone, de Mésopotamie. Et la Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent pour que l'Éternel puisse les délivrer. Et quand ils ont prié, quand ils ont jeûné, quand ils ont invoqué Dieu, et que l'Éternel voulait briser le joug de l'esclavage, il voulait briser le joug de la captivité. La Bible dit, et l'Esprit de l'Éternel, dans Juges 3:10, l'Esprit de l'Éternel saisit Othniel, et il partit pour la guerre. L'Esprit de l'Éternel le saisit, et il eut l'autorité pour dominer. Il eut l'autorité pour briser les chaînes. Il eut l'autorité pour faire la guerre aux démons. Il eut l'autorité pour faire la guerre à ses oppresseurs. On trouve cette même expression dans Juges chapitre 6, le verset 34. Dans ce cas, il s'agissait du peuple Israël qui se trouvait en esclavage chez les Madianites. Et quand il était en esclavage chez les Madianites, la Bible dit qu'encore, ils ont prié à l'Éternel. Et quand ils ont prié, la Bible dit, et l'Esprit de l'Éternel saisit Gédéon, et il sonna la trompette, et ils partirent pour la guerre. À chaque fois que nous retrouvons l'Esprit de l'Éternel qui saisit quelqu'un, il s'agit de l'esprit d'autorité, de domination, pour qu'il puisse prendre contrôle d'une situation donnée. Nous trouvons cette même expression chez Samson dans Juges chapitre 15, le verset 16. La Bible dit que Samson a été environné par des Philistins. Et puis au milieu de la nuit, ils sont venus pour l'attaquer. Ils avaient lié les mains de Samson. Et puis quand Samson s'est réveillé, la Bible dit qu'il a brisé les cordes. Automatiquement, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et il a pu briser les chaînes. Donc à chaque fois que la Bible parle l'Esprit de l'Éternel, la Bible parle de l'Esprit de puissance, la Bible parle de l'Esprit d'autorité, la Bible parle de l'Esprit de domination, la Bible parle de l'Esprit qui brise les chaînes. Donc maintenant, si tu es lié par la maladie, il te faut l'Esprit de l'Éternel. Si tu es lié par un cancer, il te faut l'Esprit de l'Éternel. Si tu es lié par la pauvreté, il te faut l'Esprit de l'Éternel. Si tu es lié par l'échec, il te faut l'Esprit de l'Éternel. Si les mêmes problèmes se répètent dans ta vie, les mêmes échecs se répètent dans ta vie. Les mêmes humiliations se répètent dans ta vie. Les mêmes déceptions se répètent dans ta vie. L'onction qu'il vous faut, c'est l'onction de domination. Que l'Esprit de l'Éternel repose sur toi aujourd'hui. Que quelqu'un me dise gloire. L'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de domination. De domination. Maintenant, je voudrais vous donner rapidement, pour terminer, je voudrais vous donner quelques caractéristiques, manifestations. Deux choses je voudrais faire. Premièrement, je voudrais vous donner des manifestations spécifiques de l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de domination. Cette opération du Saint-Esprit, quelles sont les caractéristiques spécifiques de cette opération du Saint-Esprit? Et deuxièmement, que pouvez-vous faire pour cultiver donc l'Esprit de l'Éternel dans votre vie? Pour grandir, faire grandir cette onction dans votre vie. Premièrement, comment se manifeste l'esprit de domination? L'esprit de domination, quand elle est présente dans ta vie, elle impacte au moins quatre domaines de ta vie. Quand l'esprit de domination, quand il vient sur toi, par exemple, il impacte ton corps. L'esprit de domination impacte le corps humain. Et quand cet esprit impacte ton corps humain, il te donne la possibilité de défier des lois naturelles, même à l'intérieur de ton corps. Les lois de la science, les lois de la physique. Il va se passer des choses dans ton corps que la médecine ne pourra pas expliquer. Que les experts ne pourront pas expliquer, que les spécialistes ne pourront pas expliquer. L'esprit de domination te permet de dominer sur les lois naturelles, de transcender les limites du possible. Donc, par exemple, quand l'esprit de domination s'était manifesté dans la vie de Samson, il lui avait donné des facultés,
des facultés inédites, des facultés qu'on ne pouvait pas expliquer, des facultés physiques, des capacités physiques qu'on ne comprenait pas. Dans Juges chapitre 15, le verset 13, la Bible dit quand Samuel avait été lié, les Philistins savaient que c'était un homme fort. Donc la Bible dit qu'il l'avait lié. Les Philistins l'avaient lié avec deux cordes neuves. Il l'avait lié non avec une corde. Il savait que cet homme était fort. Donc il l'avait lié avec deux cordes neuves. Ce n'était pas des cordes usées, mais c'était deux cordes neuves. Et la Bible dit quand l'Esprit de l'Éternel le saisit, quand l'esprit de domination le saisit, quand l'esprit de seigneurie le saisit, la Bible dit il a brisé les cordes neuves comme des pièces de lin, la Bible dit, comme des lins brûlés. Donc facilement, il a brisé les cordes neuves. Mais généralement, selon les lois naturelles, selon les lois physiques, normalement, un homme ne peut pas facilement briser deux cordes neuves comme des liens brûlés. Ça, c'était l'esprit de domination qui opérait en lui. Une autre fois, dans Juges chapitre 15, le verset 16, nous voyons l'esprit de domination se manifester en Samson. Samson était entouré par des Philistins et la Bible dit qu'il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il a pris une mâchoire d'âne. Avec la mâchoire d'âne, la Bible dit qu'il a tué 1000 hommes. Maintenant, naturellement, selon les lois de la physique, selon les lois de la nature, un seul homme ne peut pas combattre et battre 1000 hommes à lui seul. Mais quand l'esprit de domination vient, il y a quelque chose qui se passe dans tes cellules. Il y a quelque chose qui se passe dans tes muscles. Il y a quelque chose qui se passe dans tes organes. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Donc tu transcendes les limites du possible. Tout à coup, l'impossible devient possible. J'ai dit tout à coup, l'impossible devient possible. Que l'Esprit de l'Éternel repose sur toi aujourd'hui. On retrouve une autre histoire de Samson dans Juges chapitre 16, le verset 3. La Bible dit qu'il est arrivé dans une ville, je crois que c'était à Gaza, et il a pris la porte d'une ville. Maintenant, non pas la porte d'une maison. On ne parle pas de la porte d'une maison. On parle de la porte d'une ville. Il a pris la porte d'une ville avec les poteaux qui retenaient les portes. Et cet homme a marché. Donc c'était une porte de bronze. Une porte de bronze qui enfermait toute une ville. Et l'homme a élevé la porte avec les poteaux, une porte de bronze. Et la Bible dit qu'il a marché pendant à peu près 30 kilomètres avec une porte de bronze sur ses dos. Donc cela veut dire, quand l'esprit de domination t'envahit, te remplit, il y a des choses surnaturelles qui se passent dans ton corps. Il y a des choses surnaturelles qui se passent à l'intérieur de toi. Ah, tu vas te retrouver chez le médecin, tu étais malade, tu avais peut-être le cancer avant, et puis tu viens à ICC, et puis l'esprit de domination te touche, l'esprit du Seigneur te touche, l'esprit de l'Éternel te touche, et quand tu reviens chez le médecin commence à dire, je ne comprends pas. 2 semaines de cela, il y avait ça dans son corps, dans ton corps, mais je ne vois plus la masse, je ne vois plus ceci, je ne vois plus cela, parce que quand l'esprit de l'Éternel agit, il impacte de ton corps, que l'esprit de l'Éternel se repose sur toi aujourd'hui, que l'esprit de l'Éternel repose sur tes organes physiques aujourd'hui au nom de Jésus. Laissez-moi vous donner un témoignage que j'ai entendu, qu'on a reçu la semaine dernière, pendant que j'étais en Haïti. Quelqu'un a appelé au téléphone et elle a dit qu'elle me cherchait depuis 5 ans. Et puis on lui a demandé son témoignage. Donc elle a dit qu'il me cherchait depuis 5 ans, parce que il y a à peu près 5 ans qu'elle était en Haïti et qu'elle avait écouté l'un de mes messages sur les ondes d'une radio chrétienne en Haïti. Il avait écouté mon message, donc sur les ondes d'une radio chrétienne. Elle a dit qu'elle était dans le monde, elle n'était pas convertie. Elle était une danseuse dans un groupe bien connu. Donc en Haïti, elle était une danseuse dans une groupe qui s'appelait Barricade et Ram. Ce sont des groupes bien connus.
Donc, et un jour, cette dame-là, alors je vais essayer d'écourter, cette dame a commencé, pendant qu'elle était danseuse, elle a commencé à développer des complications dans son sein droit. Elle a commencé à développer des complications. Et soudainement, maintenant, les complications deviennent, commençaient à s'empirer, au point, excusez-moi l'expression, que des seins, ses seins commençaient à produire des vers. Elle est allée à l'hôpital. La situation était tellement drôle, tellement terrible, elle est allée à l'hôpital. Elle a passé un an à l'hôpital. Un jour, donc, il n'y avait personne pour l'assister dans la chambre. Elle, donc, elle a décidé d'aller aux toilettes. Et quand il est descendu du lit, elle essayait de prendre quelque chose par terre. Et le sein qui était en mauvais état, c'est comme si le sein s'est arraché. Une partie du sein est tombée par terre. Donc, quand une partie du sein est tombée par terre, les médecins sont venus. Ils lui ont dit, pour pouvoir survivre, il faut tout arracher. Donc, on a fait une opération, une intervention chirurgicale. La partie du sein qui était restée, on l'a enlevée. Et elle était à l'hôpital. Et on jouait l'un de mes messages à travers la radio. Quelqu'un lui avait donné une radio. Et elle écoutait l'un de mes messages. Et durant l'un de mes messages, j'avais dit, peut-être vous êtes dans cette situation à cause de votre désobéissance. Pour une raison ou pour une autre, elle a dit que cette parole a percé son cœur. Et elle a senti que peut-être qu'elle était en désobéissance par rapport à Dieu. Donc elle a fait une prière de repentance. Et elle a dit qu'à la fin du message, je faisais des prières, je m'apprêtais à faire des prières de guérison. Et j'avais dit que là où vous êtes malade, mettez votre main là où vous êtes malade. Si vous êtes malade quelque part dans votre corps, mettez votre main là-dessus. Elle a dit qu'elle a mis sa main sur la place là où il n'y avait pas de sein. Donc elle a dit, je sais qu'il n'y a pas de sein, mais si je suis dans cette situation par désobéissance, donc le mieux que je puisse faire, c'est d'être obéissant. Donc il n'y a pas de sein, mais je place mes mains. Donc il a placé ses mains sur l'emplacement. Et puis c'est fait. La nuit, elle est allée dormir. Mais pendant la nuit, elle sentait qu'elle avait des douleurs atroces sur l'emplacement du sein. Pour écouter l'histoire, elle s'est réveillée le matin et elle a trouvé un sein tout neuf. Elle a trouvé un sein tout neuf. C'est l'esprit de domination. L'esprit de domination rend possible l'impossible. L'esprit de domination rend possible l'impossible. Que l'esprit de domination t'envahisse aujourd'hui. Que l'esprit de domination t'envahisse aujourd'hui. Que l'esprit de domination envahisse ton corps aujourd'hui. Que l'esprit de domination envahisse tes seins aujourd'hui. Que l'esprit de domination envahisse ton cœur aujourd'hui. Au nom de Jésus, disons esprit de domination. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth que les paralysies disparaissent de ton corps au nom de Jésus. Que les cellules mortes retrouvent la vie au nom de Jésus. Que les organes atrophiés grandissent au nom de Jésus. Que les yeux qui ne voient pas voient au nom de Jésus. Que les pieds qui ne bougent pas bougent au nom de Jésus. Que les oreilles qui n'entendent pas entendent au nom de Jésus. Que les lèvres qui ne parlent pas parlent au nom de Jésus. Que l'esprit de domination rend possible l'impossible au nom de Jésus de Nazareth. Disons gloire! Quand l'esprit de l'Éternel te saisit, quand l'esprit de l'Éternel te saisit, il y a des choses drôles qui se passent. Il y a des choses inexplicables qui se passent. Il y a des choses incompréhensibles qui se passent. L'esprit de l'Éternel peut impacter ton corps. Deuxièmement, l'esprit de l'Éternel peut impacter ton âme. Peut impacter ton âme. Quand l'esprit de l'Éternel impacte ton âme, il te donne du courage. Il te donne un courage extraordinaire.
Il te donne une assurance extraordinaire. Il te donne une fermeté, une témérité extraordinaire. Il te donne une bravoure extraordinaire. La Bible raconte dans l'histoire de Samson dans Juges chapitre 14, une fois Samson voyageait, marchait dans un village avec son père et sa mère. C'était un village qui s'appelait Timna. Arrivé à Timna, la Bible dit aux vignes de Timna. Quand il était arrivé aux vignes de Timna, pendant qu'il marchait, tout à coup, la Bible dit que Samson voyait un lion qui s'apprêtait à sauter sur lui pour le dévorer. Quand il a vu le lion, la Bible dit, et l'esprit de l'Éternel, l'esprit de domination, l'esprit d'autorité, et l'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et quand l'Esprit de l'Éternel saisit Samson, la Bible dit, Samson, maintenant, le lion s'apprêtait à venir à bondir sur lui. Maintenant, c'est Samson qui bondit sur le lion. Et la Bible dit qu'il a pris le lion de ses mains nues. Il a déchiré le lion avec les mains nues parce que l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Je déclare au nom de Jésus que l'Esprit de l'Éternel te fait déchirer tous les lions qui te menacent au nom de Jésus. Que l'Esprit de l'Éternel te fait déchirer les lions qui te menacent. Au nom de Jésus, les lions qui sont en train de rugir dans ta famille, les lions qui sont en train de rugir dans tes finances, les lions qui sont en train de rugir dans tes entreprises, les lions qui sont en train de rugir dans ton ministère. L'Éternel m'a dit de vous dire que l'Esprit de l'Éternel est sur toi. Et il vous a fait dire aujourd'hui, déchire ce lion. L'Éternel a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur toi. L'Esprit de domination est sur toi. L'Esprit de force est sur toi. L'Esprit d'autorité est sur toi. Le lion qui est en train de rugir dans ta finance, l'Éternel dit déchire-le. Le lion qui est en train de rugir dans ton ministère, l'Éternel dit déchire, déchire-le. Le lion qui est en train de rugir dans ton corps, l'Éternel dit déchire, déchire, déchire. Le lion qui est en train de rugir dans ta famille, l'Éternel dit déchire. Disons gloire. Déchire ce lion, c'est un lion rugissant. La Bible dit que le lion était en train de rugir. Et je sens qu'il y a des lions qui sont en train de rugir. Des lions qui sont en train de faire du bruit. Des lions qui sont en train de lancer des propos pour vous paniquer. Ce lion qui est en train de te dire que tes enfants vont être des délinquants. L'Éternel dit déchire-le. Ce lion qui est en train de te dire que cette masse va devenir un cancer. L'Éternel dit déchire. Ce lion qui est en train de te dire que ton entreprise est au bord de la faillite, l'Éternel dit déchire-le. Ce lion qui est en train de te dire que ton ministère ne va jamais grandir, tu ne vas jamais avoir de l'onction, de l'autorité, l'Éternel te dit ce lion rugissant, déchire, disons déchire. Vous allez faire un geste prophétique, faites comme ça dit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'Éternel te dit déchire. Déchire ce lion, déchire ce lion, déchire ce lion, déchire ce lion, déchire ce lion avec la parole de Dieu, déchire ce lion avec l'intercession, déchire ce lion avec l'adoration, déchire ce lion avec la louange, déchire ce lion. Hey, carabassolo bocoya, yere bosara bakaya, yere bosara bakaya, rabatono bokosara baya. Il y a des lions qui sont en train de perdre leur vie maintenant. J'ai dit, il y a des lions qui sont en train de périr maintenant. Il y a des lions qui sont en train de disparaître maintenant. Il y a des lions qui sont en train d'être détruits maintenant. Il y a des lions qui sont en train d'anéantir maintenant. L'Éternel te dit de ne pas avoir peur du rugissement du lion. Le lion ne peut que rugir. Le lion ne peut que rugir. Aïe, aïe, aïe. Ce lion est un lion rugissant. Mais vous avez autour de toi le lion de la tribu de Juda. Le lion ne peut que rugir. Ce lion ne peut que faire du bruit. Mais vous avez autour de toi, vous avez avec toi, vous avez à ta droite et à ta gauche le lion. L'Éternel dit déchire, 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 déchire. Si tu me vois réveillé à 2h du matin, à 3h du matin, et je suis en train de marcher dans les chambres de la maison, je suis en train de marcher dans ma cuisine, si tu me vois prier à 3h
heures du matin, à 4 heures du matin, alors que tout le monde est en train de dormir. Et puis moi, je suis en train de marcher, je suis en train de parler, je suis en train de chanter. Je n'ai pas perdu la tête, je n'ai pas perdu la tête. Je suis en train de déchirer. Je suis en train de déchirer le lion. Si tu me vois à l'église, je suis en train de danser, je suis en train de sauter, je suis en train de dire gloire à Dieu. Si tu me vois dans tous les cultes de ICC, c'est pas parce que j'ai pas d'autre chose à faire, c'est parce que je suis en train de déchirer, de déchirer, de déchirer, de déchirer, de déchirer le lion. Alléluia. Je sens l'esprit de domination. L'onction de domination est dans ce lieu. L'onction. Quand Samson a vu le lion qui s'apprêtait à bondir sur lui, la Bible dit l'esprit de l'Éternel le saisit. Généralement, quand un homme voit un lion, ce qui le saisit, c'est la peur. Le texte devrait dire, et l'esprit de peur l'a saisi, et la peur l'a saisi, et la crainte l'a saisi. Mais c'est l'esprit de l'Éternel. Quand l'esprit de l'Éternel te saisit, l'esprit de l'Éternel bannit la crainte. L'esprit de l'Éternel bannit la peur. L'esprit de l'Éternel bannit la lâcheté. Soudainement, tu as une bravoure extraordinaire. Soudainement, tu as une témérité extraordinaire. Soudainement, tu as une bravoure extraordinaire. Et il bondit contre le lion. Quand l'esprit de domination impacte ton âme, il te communique de la force, de la bravoure, de la témérité, de l'assurance. L'esprit de domination peut également impacter ton esprit. Et quand l'esprit de domination impacte ton esprit, il relâche une puissance surnaturelle que les sorciers ne peuvent pas résister. Une puissance surnaturelle que ceux qui font de la magie ne peuvent pas contrecarrer. Dans l'évangile de Luc, dans Jean chapitre, dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1er d'abord. Ésaïe chapitre 61, le verset 1er. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a dit, il m'a oint. Pour prêcher une bonne nouvelle, etc. Et il a dit, il m'a oint. Pour annoncer de bonnes nouvelles. Et il dit, pour libérer les captifs. Le mot captif ici signifie prisonnier, prisonnier du diable. Les personnes qui étaient possédées au temps de Jésus-Christ étaient appelées des captifs. Quand Jésus-Christ a lu ce passage dans la synagogue de Galilée, quand il est entré en Galilée, il a lu ce passage. Et après avoir lu ce passage, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Au moment même qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Pour libérer les captifs, il y avait un homme possédé qui était dans la salle. Soudainement, l'esprit, le démon qui était en lui, l'esprit impur qui était en lui, commençait à réagir. Et Jésus-Christ lui a ordonné de sortir. Et l'homme a retrouvé la liberté. Quand l'esprit du Seigneur est sur toi, il y a une force, il y a une puissance, il y a une autorité qui sort de toi, qui se dégage de ton âme, de ton esprit, qui gêne aux esprits infernaux. Au nom de Jésus de Nazareth. Quand Jésus-Christ est arrivé à Capernaum, les esprits méchants ne pouvaient pas le résister. Quand le sourd muet était venu devant le Seigneur Jésus-Christ, il ne pouvait pas résister à la puissance qui était en lui. Quand le gadarénien a rencontré Jésus-Christ, il ne pouvait pas résister. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'esprit de domination est en toi. 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 Tant que tu vives, tant
tant que tu vives, nul ne tiendra devant toi. Au nom de Jésus de Nazareth, ceux qui invoquent les étoiles fuiront devant toi au nom de Jésus. Ceux qui font de la projection astrale fuiront devant toi au nom de Jésus. Ceux qui voyagent dans le monde invisible, ils fuiront devant toi au nom de Jésus, car l'Esprit de l'Éternel est sur toi. L'Esprit de l'Éternel impacte ton corps, peut impacter ton corps, peut impacter ton âme, peut impacter ton esprit. Finalement et dernièrement, écoute, l'Esprit de l'Éternel peut également impacter ton environnement. Et ça, c'est important. Ça, c'est très, très important. L'Esprit de l'Éternel, quand il te saisit, il impacte ton environnement. Maintenant, l'Esprit de l'Éternel, qui est l'Esprit de domination, ressemble beaucoup à l'Esprit de force. Parce qu'il y a cet Esprit, puis l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force. L'Esprit de l'Éternel, de domination, ressemble beaucoup à l'Esprit de force. Mais il y a une différence très importante entre l'Esprit de domination et l'Esprit de force. L'Esprit de domination est lié à des droits, des privilèges, des prérogatives territoriales. Dans le mot domination, il y a le mot domaine. Et domaine signifie territoire. Domaine signifie terre. Donc cela veut dire, quand tu as l'esprit de domination te donne la capacité de chasser, de déplacer les esprits territoriaux. Ah. Tu peux avoir la force. Tu peux avoir la puissance, tu peux avoir l'onction et ne pas être capable. Et tu pries pour des gens, ils sont délivrés. Tu pries pour des gens, ils sont libérés. Tu ordonnes à des démons de partir et ils partent. Mais ça prend une onction pour pouvoir déplacer les démons territoriaux. Les esprits territoriaux, les esprits qui gouvernent sur les peuples, les esprits qui gouvernent sur les nations, les esprits qui gouvernent sur les régions, les esprits qui gouvernent sur les familles, les esprits qui ont un domaine, il faut avoir un esprit de domination pour pouvoir déplacer les démons qui dominent sur des domaines. Est-ce que ça va? Donc quand tu as l'esprit de domination, ça te donne la capacité de déplacer les autorités territoriales. Maintenant, chers amis, ça c'est très très important, c'est extraordinaire. Nous trouvons, pour pouvoir comprendre l'importance de cette onction, l'onction de domination, qui te permet de régner dans des domaines, sur des sphères, il faut méditer un peu sur l'histoire de Jacob dans Genèse chapitre 32. Nous allons regarder le verset 28 en particulier, mais je vous le mets dans le contexte. Dans Genèse chapitre 32, la Bible dit que Jacob avait passé près de 14 ans en captivité en Mésopotamie. Maintenant, c'était le moment était venu de retourner chez lui. Et quand il s'apprêtait à entrer à Canaan, la Bible dit pendant la nuit, un homme est venu vers lui. Et il a commencé à lutter avec l'homme. Il a lutté avec l'homme. À 9h, à minuit, à 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 5h30, le soleil s'apprêtait à se lever. Et l'homme a dit à Jacob, laisse-moi partir. Et Jacob dit, je ne te laisserai pas partir que tu m'aies béni. Tu dois me bénir. Et il a lutté avec l'homme. Quand l'homme a réalisé que le soleil allait se lever, la Bible dit qu'il lui a donné un coup à la hanche, à l'emboîture de la hanche. Et il a béni Jacob et il est parti. Mais avant de partir, l'homme a fait une déclaration et a révélé son identité. L'homme a dit à Jacob, tu as lutté avec les hommes
et avec Dieu. Et tu as été vainqueur. Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Et Jacob a appelé ce lieu Peniel. Peniel, parce qu'il a dit que le mot peine en hébreu signifie face, parce qu'il a dit j'ai vu Dieu face à face et j'ai survécu. J'ai vu Dieu face à face. L'homme avec qui cet homme a lutté, Jacob a lutté, c'était Dieu lui-même. Et Dieu lui a dit, tu as lutté des hommes et avec Dieu, et tu as été vainqueur. Alors je me suis posé la question. Pour moi, c'est l'un des passages les plus énigmatiques de la Bible. C'est l'un des passages les plus difficiles à comprendre. Comment Jacob a pu-t-il lutter avec Dieu lui-même, et il a été vainqueur. Et c'est Dieu qui l'a dit. Mais qu'est-ce qui avait donné à Jacob cette force, cette autorité pour lutter avec Dieu lui-même et être vainqueur? Quel était le secret de Jacob? Le secret de Jacob, c'est encore le psaume 115, le verset 16. Le psaume 115, le verset 16, la Bible dit que les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel, mais il a donné la terre en héritage. Il a donné la terre en héritage au fils des hommes. Voilà, puisque Dieu a donné la terre en héritage au fils des hommes, Dieu ne fait rien sur la terre sans les hommes. Il passe par les hommes. Donc quand Jacob a lutté avec Dieu en Canaan, l'Éternel avait donné cette terre à Abraham, à Isaac et à Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, au moment où il a lutté avec Dieu, il était sur son territoire parce que Dieu lui avait donné le territoire. Et puisqu'il était sur son territoire, il a lutté avec Dieu et il a été vainqueur. Maintenant, quel est le secret? Le secret, c'est si Jacob a lutté avec Dieu sur son territoire et il a été vainqueur parce qu'il était sur son territoire, l'onction de domination, l'esprit de domination, il était sur son territoire, il était sur sa terre, il était sur son domaine, il était dans son sphère d'influence. Donc l'esprit de domination lui a permis même de lutter avec Dieu. Alors je me demande, si Jacob a pu avoir la victoire sur Dieu dans son territoire, il n'y a aucun démon que tu ne puisses résister dans ton territoire. Il n'y a aucun esprit infernal que tu ne puisses résister dans ton territoire. Il n'y a aucune force maléfique que tu ne puisses résister dans ton territoire. Donc quand Satan s'approche vers toi et il commence à te paniquer, il commence à t'effrayer, il commence à te faire peur, tu dois regarder Satan dans le blanc des yeux et dire, Satan, c'est mon territoire. Satan, c'est ma maison. Satan, c'est ma famille. Satan, c'est mon ministère. Satan, c'est ma santé. Satan, c'est mon corps. Disons domination. Disons domination. Disons domination. Disons domination. Disons domination. L'onction de domination te permet d'exercer de l'autorité dans le territoire que Dieu t'a donné. L'onction de domination te permet d'exercer de la puissance dans le sphère d'influence que Dieu t'a donné. Aïe, aïe, aïe. Ta famille, c'est ton territoire. Ta maison, c'est ton territoire. Ton ministère, c'est ton territoire. Ton boulot, c'est ton territoire. Ta santé, c'est ton territoire. Ton corps, c'est ton territoire. Tes entreprises, c'est un territoire. Si Jacob a pu résister à Dieu sur son territoire, je résiste à tous les démons, je résiste à tous les diables, je résiste à toutes les maladies, je résiste à tous les défaites, je résiste à tous les essais. Disons, c'est mon territoire, c'est mon territoire, c'est mon territoire, c'est mon territoire. Donc quand Satan
Satan vient sur ton territoire, tu n'as qu'à dire au nom de Jésus un seul mot: Satan, peur au nom de Jésus. Satan, 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 esprit de maladie, esprit de cancer, esprit de pauvreté, esprit de cécité, esprit d'échec, esprit d'échec, esprit d'échec, esprit de folie, esprit de démence, esprit de divorce, dehors, 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 dehors. Au nom de Jésus, c'est mon territoire, c'est mon territoire, c'est mon territoire. J'ai de l'autorité ici. C'est mon territoire. C'est mon territoire. Tu ne vas pas détruire ma famille. C'est mon territoire. C'est mon territoire. Tu ne vas pas détruire ce ministère. C'est mon territoire. C'est mon territoire. Tu ne peux pas rester dans mon corps. Maladie, tu n'as aucun droit légal sur ce corps. C'est mon territoire. Cancer. Cancer dehors. Cancer. 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 Tu dehors. Cancer. Cancer. Cancer, 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 c'est mon territoire. Au nom de Jésus. Combat pour ton territoire. Combat pour ton territoire. J'ai dit combat pour ton territoire. Tes enfants font partie de ton territoire, de ton héritage au nom de Jésus. Jacob a combattu avec Dieu sur son territoire, sur son héritage, et il a été vainqueur parce que Dieu est fidèle. Ah, Jacob a combattu avec Dieu sur son héritage. Ah, il a été vainqueur parce que c'est son territoire, parce que c'est son héritage. Ah, parce que l'Éternel est fidèle, parce que l'Éternel est réel. Il n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. S'il te dit qu'il t'a donné de la santé, reste confiant qu'il te l'a donné. Ah, s'il t'a donné la prospérité, reste confiant qu'il te l'a donné. Ah, s'il t'a donné de l'onction, reste confiant, il te l'a donné. Ah, s'il t'a donné ses enfants, reste confiant, il te les a donnés. Car s'il t'a donné cette ville, reste confiant, il te l'a donné. Hey, je dis, c'est mon territoire. 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 J'ai la domination sur mon territoire. J'ai la puissance, je suis sur mon territoire. J'ai l'autorité, je suis sur mon territoire. J'ai de l'onction, je suis mon héritage. Tu sais mon territoire. Tu sais mon territoire. C'est mon territoire. C'est mon territoire. Mon corps, c'est mon territoire. Ma famille, c'est mon territoire. Mon ministère, c'est mon territoire. Je dis, c'est mon territoire. Ma famille, c'est mon territoire. Mes pensées, c'est mes territoires. Ma vie, c'est mon territoire. Je dis, c'est mon territoire. Mon témoignage, c'est mon territoire. Ma santé, c'est mon territoire. Mon cœur, c'est mon territoire. Je dis, c'est mon territoire. Mes poumons, c'est mon territoire. Mes reins, c'est
mon territoire. La pensée, c'est mon territoire. Ma vie, c'est mon territoire. Je dis, 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 c'est mon territoire. Ma vie, c'est mon territoire. C'est mon territoire. Mes affaires, c'est mes territoires. Je dis, c'est mon territoire. Mon carrière, c'est mon territoire. Ma carrière, c'est mon territoire. Mon boulot, c'est mon territoire. Je dis, c'est mon territoire. Mon ministère, c'est mon territoire. Ma destinée, c'est mon territoire. Mon lendemain, c'est mon territoire. Je dis, c'est mon territoire. Mes enfants, c'est mes territoires. Ma famille, c'est mon territoire. Ma santé, c'est mon territoire. Ma paix, c'est mon territoire. Ma tranquillité, c'est mon territoire. Hey, ma vie, c'est mon territoire. Ma force, c'est mon territoire.